Mon fils. Tu voulais les étoiles. Les cercles de pierre indiquent l'emplacement des dieux dans le ciel. Un jour, ton grand-père m'a dit qu'ils indiquaient aussi notre place dans ce monde. Je vais trouver tous les cercles de pierre. Le sphinx et les pyramides aussi. Et je trouverai ma place. Tu auras les étoiles. Papo, tu crois que j'aurai beaucoup d'enfants? J'espère que tu nous donneras beaucoup de petits-enfants. Je vais devoir trouver une épouse, alors. Tu es jeune, mon fils. Tu as tout le temps devant toi. Oui, je sais. Mais si je sais déjà qui? Tu dois d'abord apprendre à être un Medjay. Regarde, Taouret. L'hippopotame qui marche. Dame de la maison des naissances. C'est la déesse de la fertilité et de l'accouchement. Maîtresse de l'horizon, elle apporte avec elle le flot annuel de l'art. Voilà Horus, le faucon, le grand noir, le dieu du ciel. Le soleil est son œil droit, et la lune, son œil gauche. Il traverse à jamais le ciel, faisant le jour et la nuit. C'est celui-là l'œil d'Horus que portent les Medjay? Oui, Kemu. Et le pharaon, c'est Horus, c'est ça? Oui, mon fils. Le pharaon est Horus dans la vie, et Osiris dans la mort. C'est pour ça que le pharaon ne règne pas seulement sur l'Égypte, mais sur le monde entier.
propos. Osiris a été découpé en 14 morceaux par son frère qui était jaloux. Et il les a éparpillés à travers le pays. Lisette, la femme d'Osiris, les a tous retrouvés. Tous, sauf un. Qu'est-ce qui est arrivé au dernier morceau? Un poisson l'avait avalé. C'était son... Ensuite, Osiris est revenu à la vie et est devenu seigneur de l'autre monde. Oh... Alors il pouvait plus avoir d'enfants, hein? Toi, tu grandis beaucoup trop vite. Il n'y a plus que ces étoiles qui nous relient, Kemu. L'Ankh me permet d'entrevoir ton monde, mon fils. Il est porté le long du Nil et sur les eaux des champs de roseaux, au-delà de l'embouchure des gorges, à jamais. L'Ankh est porté par Shechat, la déesse de l'écriture. Grande épouse et fille de Thoth, elle nous rappelle que seul ce qui a été écrit existe réellement. La maîtresse de la maison des livres se dresse vers le ciel et veille sur le plus important des rouleaux. Partageons plus que ces étoiles, mon Kemu. Mais cela me suffit. Devant nous, le dieu qui a osé dévorer Osiris, l'ami des vols, noir et implacable. Papo, je sais que tu es égyptien,
et que Mama est grecque. Et si l'Égypte et la Grèce se faisaient la guerre ? Les Grecs et les Égyptiens ne se détestent pas. Nous sommes tous pareils. Je me demande... Papa, pourquoi il y a tant de pauvres chez nous en Égypte, alors que ceux qui ne sont pas d'ici sont riches ? L'Égypte a oublié qui elle est. Beaucoup préfèrent la richesse à l'honneur. À la fin, les deux leur échappent. Et ils perdent la justice. Nous sommes des Medjay. Voici la balance. Les Medjay ont un devoir envers les dieux. Nous devons être forts et prêts à nous battre. Mais uniquement lorsque c'est juste. Je vais m'entraîner dur, papa. Papa, pourquoi les gens meurent ?
Nous ne sommes pas des dieux. Tout ce qui vit meurt. Ainsi en a décidé Amon. Est-ce qu'on sera ensemble dans l'autre monde ? Sois courageux et fort. Sois juste et droit. Ne mens pas. Voilà le devoir de chacun. Maat décidera si nous sommes dignes de marcher ensemble dans les champs de... Dis, tu as parlé à la fille qui te plaît ? J'ai pas dit qu'elle me plaisait. On était amis, mais elle agit de manière étrange et elle m'évite. C'est peut-être que tu lui plais aussi. Souvent, nous ne disons pas ce que nous pensons. Ça nous vient comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle m'évite si je lui plais ? C'est une chose à demander à ta mère. Moi, je suis plus doué pour les étoiles. Le poisson bélier, appelé Capricorne par les Grecs. Ce dieu a un corps de poisson. Papo, quand tu as connu Mama, comment t'as su que tu lui plaisais ? Mon cœur s'est enflammé, fils. Elle m'a souri, et son regard m'a laissé sans armes. Alors, si une fille t'aime bien, elle te sourit ? Fils, il y a des choses que je peux t'expliquer. Les étoiles, comment se battre, mais ça... Même un dieu ne peut l'enseigner. Tu devras demander à une déesse. Hathor, déesse de la maternité et de la joie. Elle est aimée de tous les Égyptiens, du plus humble au plus grand. Maîtresse de l'Ouest, elle accueille les morts dans l'autre monde.